Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo bonus, ce sera une vidéo en plus des vidéos de la semaine de chaque vendredi. Une petite vidéo pour vous expliquer un petit effet rapide, un petit effet qui vous servira justement à introduire l'excellente routine du professeur. Je vais bien sûr parler de Dave Vernon, Twisting the Ace. Vous allez voir, c'est un petit effet très rapide, très simple à réaliser, donc qui se fait avec les 4 as, qui va vous permettre justement d'introduire et d'amener l'effet du Twisting the Ace sans forcément alourdir la routine. Vous allez voir, c'est très sympa, pas très compliqué à faire. Comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre ce petit effet, vous aurez le lien de l'explication directement dans la description de la vidéo et dans la rubrique commentaires. Et pour les autres, je vous laisse pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo de ce petit effet d'introduction. Vous allez voir, ça se fait uniquement avec les 4 as. Et on va faire une petite expérience. Regardez bien, on va prendre les as noirs qu'on va mettre face en bas. Et on va sandwicher entre eux les as rouges face en l'air. Vraiment nettement, hein. Ce qui nous donne forcément les noirs face en bas et les rouges face en l'air, hein, sandwichés entre les noirs. C'est propre, c'est net, regardez bien. Pourtant, un petit mouvement, un petit geste magique, il suffit de twister les cartes comme ceci. Et miraculeusement, maintenant, sans rien faire, on va se retrouver maintenant avec les noirs face en l'air, sandwichés maintenant entre les as rouges. Une magnifique introduction pour introduire le tour. Twisting the Ace de Dave Vernon, non? Et voilà, j'espère que ce petit effet vous aura donné envie d'en savoir plus. Vous l'avez compris, c'est vraiment rapide. C'est vraiment un opening sur le tour Twisting the Ace. C'est un premier twist que vous pouvez introduire avant d'enchaîner avec toute la routine de Dave Vernon. C'est très rapide, ça n'alourdit pas la routine de base. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire ce premier twist, redonner immédiatement les cartes à l'examen pour montrer qu'il n'y a rien, et enchaîner derrière avec le Twisting the Ace de Dave Vernon. Bref, les deux effets se marient parfaitement. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, les explications se trouvent dans la description de la vidéo et dans la rubrique commentaires. Et pour les autres, c'était pour le plaisir des yeux. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également, mon école de magie, ma plateforme de streaming, www.magistreaming.fr. Vous y trouverez des cours de magie en cartes ou en pièces, 100% gratuits, sans aucune inscription. Et également, ma plateforme de vidéos à la demande de magie. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!